Salut à tous, on se retrouve donc pour l'avant-dernière vidéo de Zelda The Minish Cap. Et ce sera finalement à 100%, comme vous l'aviez compris. Donc on continue l'histoire. Mais pas longtemps. Voilà, mais le dernier élément dans l'épée. Élément du vent. Cette fois, j'ai vraiment bien préparé la vidéo. Ça a pris très longtemps. Parce qu'il y a un dernier fragment que j'arrivais pas à trouver. Enfin, un dernier assemblage. Je vous montrerai ça après. Je rappelle, la force, c'est ce que je cherche. Vaati. Donc là, on revoit le. La petite scène qu'on a vue au début du jeu. Mais en entier, cette fois. Savoir que dans cette version, Link sera donc un humain. Ou le héros des humains. Alors, savoir que The Minish Cap, ça se passe vraiment très loin dans le passé. Hein. D'ailleurs, c'est pas Ganon le méchant. Et voilà, et on apprend que la force, aussi appelée la lumière d'or, est donc dans le cœur de Zelda. Putain, je me suis arrêté juste à temps. Bon, pas là. Donc ouais, la dernière épée, elle est assez puissante. Enfin, c'est pas plus puissante, hein, mais bon, oui, elle est assez jolie. Elle est dorée. Et donc, on peut dépétrifier les gens avec. Pour ça, il faut faire l'attaque cyclone et la relâcher, en fait. Ce qui est bien, c'est qu'il commence à pétrifier les gens uniquement quand on a le pouvoir de les dépétrifier. En vrai, il aurait pu défoncer tout le monde dans le village dès le début. Hein. De toute façon, la logique dans les Zelda. Hein. Voilà, et on se retrouve dans le château des ténèbres, qui est le dernier donjon du jeu, qu'on ne va pas faire, mais qu'on va juste, on va faire en partie pour sortir, quoi. Alors pour ça, vous allez voir, c'est très simple. Alors déjà, vous faites pas ça.
juste envie de sortir vite, hein, c'est pour ça. Donc vous mettez une bombe là, vous transformez en mini, vous redescendez en bas là où il y avait les flammes. Et là on peut constater que l'ennemi bleu est beaucoup plus rapide que le rouge. Ce qui n'a absolument aucune importance. Voilà, vous descendez par là. Voilà le vrai roi. Qui a l'air super barbu et tout de profil. Mais de face, non. C'est trop bizarre. Vous voyez ? En fait, on les voit, on la voit la barbe, mais pas trop, je trouve, en. Surtout sur Game Boy Advance, c'est encore plus petit. Ça aurait dû la faire plus longue. J'avais même pas compris qu'il était barbu moi au début. Voilà. Et dès que vous avez cette clé, vous pouvez sortir du donjon. Attendez, je crois qu'il y a un truc à aller chercher là, non? Non, c'est pas là. Voilà, à savoir que toutes les autres portes hein, qu'on a vues, c'est des fausses. Donc là, si on monte, on est à la sortie. On va d'abord prendre la. D'abord prendre la carte pour qu'on reviendra à la prochaine vidéo. Et là on va aller chercher les 4 derniers quarts de cœur et les 5 derniers non les 6 derniers assemblages. Mais je sais où ils sont donc vous inquiétez pas, ça va pas aller trop, ça va aller vite. Alors déjà premier quart de cœur il est juste à côté. On avait fait un assemblage pour l'avoir, pour vider la rivière qui est ici. C'est pour ça hein, que j'avais pas. Que je m'étais pas emmerdé. Je me suis pris plein de dégâts parce que de toute façon, quand on prend les quarts de cœur, ça nous soigne. Ce qui est assez cool d'ailleurs quand on en a beaucoup comme ça. Alors là, je vais vous dire un truc. Attendez, je me trompe. Non, c'est pas là. Ça doit être à gauche alors. Oh bah merde, je sais plus où c'est. Ouais, je perds du temps là. C'est pas grave, je vous montre après. Ce que je vais vous dire là, c'est hyper giga super important. Si vous voulez faire tous les fragments, vous aurez sans doute un problème ici. Il y a un énorme bug. Et énormément de gens à l'époque ont arrêté de jouer au jeu parce qu'ils n'ont jamais pu trouver le dernier assemblage. Parce qu'en fait il est devant vos yeux mais vous pouvez pas le faire. Vous voyez elle? Elle me propose pas d'assemblage, on est d'accord. Hein. Vous allez voir. Et bah là oui. Complètement con hein. Et attendez hein. C'est en fait complètement aléatoire. Non. Non. Oui, vous voyez. Et en fait, il est buggé. Du coup, toutes les rumeurs à la con du genre lire tous les Teshin News pour le faire, etc. C'est des conneries. Hein. Oh merde. Putain, j'y crois pas. Bon.
On va revenir ici plus tard, du coup. J'ai pas le fragment. Ça, j'avais pas pensé que j'avais pas le bon fragment, par contre. Alors, à savoir qu'il y a des nouveaux assemblages qui se déverrouillent au fur et à mesure du jeu. Alors là, on dirait qu'il en a plus, mais vous quittez, vous revenez, c'est bon. Ah bah parfait. Ce goron. J'adore les gorons en plus. C'est un peu des yétis, hein, version pierre. Entre le golem et le yeti quoi, c'est... En plus, s'ils bouffent de la pierre, ils peuvent jamais crever de faim, quoi. Alors ici, par exemple, vous pouvez le faire que quand vous avez l'épée de 4, donc vous êtes obligé de ressortir pour avoir ce quart de cœur. Voilà, donc ça débloque ça. Et ça débloque l'assemblage du Goron avec Bigoron là. Donc faut absolument être à ce point là de l'histoire pour que ça marche. Voilà, en gros, si vous n'avez pas ce coffre, bah c'est que c'est cet assemblage-là qui vous manque. C'est un assemblage fixe, donc voilà, plateau de Belay. Voilà, donc il nous manquait 6 assemblages, ça en fait 1. On a déjà 2 quarts de cœur aussi. Je vais quand même racheter un fragment vert au Goron au cas où. Je crois qu'ils montent les prix après. Ah mince. Ah, faut acheter les trois. Faut acheter les deux autres. Pour qu'ils proposent de nouveaux 3 fragments. Bah tant pis. C'est là où il y a le poète. Là on a un octroc d'or. Ok, celui-là. Celui-là, on pouvait le faire avant, hein, avant de continuer dans l'histoire, je l'avais oublié. J'ai cherché en vidéo, hein, ça a été très long. J'ai bien passé 2 heures à chercher où est-ce que j'avais loupé le dernier fragment. Quand même beaucoup travaillé sur le jeu, hein, regardez ça. Même les feuilles qui bougent. C'est quand même de la Game Boy Advance, hein. Faut le comparer aux autres titres de Game Boy Advance. Quand vous venez de la Game Boy Color, hein, tomber sur ce Zelda, je pense c'est magnifique. Par exemple là, qu'on voit l'herbe dans les. Quand on marche, etc. Mais enfin, ça n'a rien à voir, la Game Boy Advance, c'est la Game Boy Color, on se rend bien compte.
Quand on compare les Zelda de Game Boy Color et ceux de Game Boy Advance, quoi. Enfin, je trouve que niveau complet. Enfin, ça pour rien dire ce que je dis. C'est le plus complet des Zelda en 2D, je trouve. Entre les 100 assemblages de fragments, les figurines, les. Les précis d'escrime et puis tous les objets annexes comme d'habitude. Hein. On est vraiment servi quoi. C'est. Alors, est-ce que c'est bien là le Mongongle là? Yes. Donc là c'est le pied du Mongongle là. Donc j'avais oublié un assemblage ici aussi, tout à l'ouest du Mongongle. Alors ça c'est saloperie de toile là, enfin je sais pas ce que c'est censé être. Des cocons, je sais pas trop. C'est pas de la pierre hein, parce qu'on peut les aspirer. Alors attendez. C'est où déjà? Merde. Bon, je crois que je me fais chier. Voilà, c'est là. De toute façon, si vous manquez d'assemblage, c'est forcément chez des miniches qui sont un peu cachées partout comme ça. Parce que normalement, tout le reste, vous y avez pensé. T'as les deux cascades. Il manque plus que Bigoron et le village est. Ça serait bien que ce soit des coquillages. Bon, on peut acheter des coquillages avec. Alors par contre là cet assemblage, enfin il va y avoir deux assemblages là à la suite. Ces deux assemblages, pour les avoir il faut absolument avoir continué l'histoire jusqu'à ici. Donc avoir l'épée de 4. Sinon bah il vous proposera tout simplement pas l'assemblage en fait. Mais. Ok.
On y est presque. Hein. Là, il me reste plus qu'un assemblage. Je sais où il est. Et donc, trois quarts de cœur. Enfin, deux quarts de cœur et un autre truc, vous allez voir. Hop. Donc là, on va reprendre ça. On va faire le dernier assemblage. Je sais pas lequel est. Ouais. Je sais pas trop lequel est le plus rapide. Ouais, c'était là. On vous rappelait les Gorons, je disais à Naruto, mais pourquoi il me propose pas l'assemblage? Bah pareil, c'est parce qu'il faut absolument avoir l'épée de 4 pour qu'il nous propose l'assemblage. Il est là. Voilà, dernier assemblage. Donc celui-là, épée de 4 obligatoire. Et les deux d'avant là avec le Minish, épée de 4 obligatoire aussi. Tous les autres, vous pouviez les faire avant. En fait, je me dis, si Bigoron existe, comment ça se fait qu'il y a encore des montagnes? Parce que s'il bouffe de la pierre, on est dans la merde quand même. Peut-être qu'il chie de la pierre aussi. Bref, sur ce, on va retourner à la cascade de Serra. Oula, merde. Ok, mon casque a décidé de me lâcher en plein milieu. C'est pour ça hein, que vous avez une petite coupure. Ça fait le bruit, vous voyez le bruit Windows là quand on débranche un périphérique. Je fais. Hein? Il se passe quoi là? Heureusement, j'ai réussi à récupérer la vidéo donc. Donc c'est cool, vous en faites pas. Alors. Je crois pas que je puisse passer par là. Ouais, j'aurais été sûr que c'était un faux. Ça se voit trop à chaque fois. Je sais pas trop si on peut passer par là, mais... Putain, comment on les tue ces trucs? Boomerang, hein, je pense. Bah... Je peux pas du coup là. Faut que j'aille en haut. Hein. Ouais. Je suis obligé d'aller en haut de la cascade. Donc je peux pas passer par là. Alors j'ai fait tous les assemblages hein, comme je vous l'avais dit. T'es allé là-dedans? Ah oui. On sait jamais. Hein. Si j'oublie d'utiliser mes poissons rouges. Y a pas plus simple que ça. Attendez. Parce que là, c'est n'importe quoi. Ah mais non, mais j'y étais! C'était là. C'est ça, hein? C'est ça que j'ai dévoré. On rappelle plus. Ouais, c'est ça. Allez, plus qu'un. Oh putain. Oh la feinte. Trop de skill. Ça c'est bien, c'est bien. Parce que le dernier quart de cœur là qui nous manque,
Et ben c'est en ayant tous les assemblages de fragments. Qu'est-ce que je raconte? Je dis vraiment n'importe quoi. Toutes les figurines. Alors, combien j'en ai? Il m'en faudrait 200. On va essayer, on va essayer. Ah bah je suis bête. Alors c'est extrêmement cher, hein, c'est 300 rubis. Mais on s'en fout, puisqu'on n'a plus besoin de rubis de toute façon, on a tout. C'est pas du tout la meilleure méthode pour avoir des coquillages, hein, je vous le dis. Bon, la meilleure méthode c'est de trouver tous les coffres du jeu, hein, bien sûr. Et après, bah, c'est de... Je pense que c'est de prendre le nectar qui donne les coquillages et de fermer dans le plateau de Belay là où il y a plein d'herbes. Voilà, alors combien on a? 174 divisé par 2. 8 et 8, 16, 80 et quelques, hein, donc ouais, 85 on va dire, 5, 86, 87, 87. On va faire comme ça. Il manque que deux, hein, c'est pour ça que je divise par deux. Je trouvais avoir ça assez. Bon, franchement, si ça marche pas, j'ai pas de chance. Voilà, comme je vous l'ai dit, normalement j'ai tout. Regardez, on peut faire comme ça aussi. Alors, il manque celui-là. Et c'est tout. Voilà, donc à la fin, c'est un coquillage par pourcent de chance, quoi. Qu'on a 0% de chance si on utilise un 0 coquillage. Bon, c'est pas possible, mais... Bah, en fait, il y a 100. Il y a 100 figurines. Il y a 100 figurines, donc... c'est 1% par figurine. Hmm. Par coquillage, pardon. Voilà, on les a toutes. Une fois qu'on les a toutes, faut parler à lui. Alors ça c'est totalement faux, hein, la dernière phrase. Mais dans Zelda c'est vrai donc. Et on peut enfin accéder à cet endroit. Dernier quart de cœur. Et vu qu'il est riche, nous gagnons 600 rubis qui nous servent absolument à rien puisqu'on a déjà tout. Voilà, et maintenant bah, on peut faire toutes les mecs du jeu. Hein. Alors combien il y en a? Parce que ces gros malins, ils ont pas jugé utile de mettre un bouton bas. Il y a 28 musiques. Ah oui, d'accord. Voilà, voilà. Donc on a tous les quarts de cœur. Toutes les figurines. Il nous manque un cœur, comme vous pouvez le voir. Et il se trouve... Il nous manque un objet aussi. Hein. Parce que je vous rappelle qu'on a un bigoron, là. Voilà, ça c'est le dernier truc qu'on avait débloqué avec l'assemblage là. Alors ici vous vous faites pas chier, prenez la cape. De toute façon vous l'avez forcément. Si vous êtes arrivé jusqu'ici.
Voilà. C'est tout con avec la cape. Hein. Bon, c'est sûr que sans la cape, ça doit pas être facile, parce qu'en plus, on va moins vite sur le sable. C'est Bukta, hein, si vous rappelez pas qui c'est. Il nous donne un cœur entier, carrément. Voilà, on a tous les cœurs. Putain, si ça, c'est pas du 100%, les gars, je sais pas ce que c'est. Hein. Ah, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié un petit truc. Non, on va d'abord donner notre truc à Bigoron. Je dis notre truc parce que je veux pas vous spoiler, hein, forcément. Alors. Voilà, Bigoron. Alors pour le tuer, faut lui frapper chaque doigt. Non, je rigole. C'est marrant, ça. Ah, donc on a oublié de le tuer, bon, ok. Bon, bah, on le fera après le jeu, alors. Je vous montrerai ça dans la dernière vidéo, tout à la fin. D'ailleurs, c'est extrêmement con, hein, parce qu'il nous fait un truc après qu'on ait fini le jeu. Sauf qu'il n'y a rien à faire après le jeu, il n'y a pas de quête, il n'y a rien. Donc ça sert à rien. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le dernier truc à faire pour clôturer la vidéo. Putain, le trophée Tingle, je sais pas où il l'a mis. Ah oui, là. Et normalement, on a un autre trophée... ici. Normalement, on devrait avoir un trophée pour ça. Il me semblait, hein. Faut surtout pas rejouer, sinon ça fait déconner, hein. Alors attendez, c'est peut-être qu'il faut reparler au mec du café, peut-être. Je m'en rappelle plus trop. Ouais, je sais plus. Bon, c'est pas grave, on verra la prochaine vidéo. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, on a tout, hein, on a. Tous les assemblages de fragments faits, donc il y en a 100. Tous les quarts de cœur, alors ça je vais pas compter mais il y en a beaucoup. Tous les précis d'escrime, il y en a 8, plus 3 améliorations. Toutes les figurines. Le boomerang magique, les bombes à télécommande, l'arc de lumière, amélioration de bombes. Ça il y en a 300, il y en a 2 dans la version européenne et 3 dans les autres. Et puis il nous manque un truc, le bouclier miroir, mais ça bah c'est avec Bigoron, voilà, je vous spoil. Et les 4 flacons bien sûr. Donc l'argent, je disais ça sert à rien, mais on peut encore acheter des nectars avec, ou des potions, ou des trucs comme ça, donc voilà. Et ben je vous dis à la prochaine pour la fin du jeu. Allez, à tout de suite.